Allez, salut à tous, c'est MaFumiSo30 et bienvenue. Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Jack 2 hors la loi. Et tu vas la boucler, Praxis. Est-ce que tu peux la boucler, s'il te plaît? Merci. Ah, il raconte que de la merde, façon. Une fois, je vous ferai quand même écouter ce qu'il dit. Oula, on a failli prendre un véhicule ennemi. Ça aurait craint un peu pour nous. Wow, craint. C'est vite dit, vous m'aurez compris. Oh, j'y étais. La dernière fois, on s'avait laissé. On avait vu qu'on était dans le futur. Qu'on était surtout dans notre monde. Comme a dit Jack explicitement, on est dans notre monde. Et oui, on a vu le labo de Samos. Et aujourd'hui, on va aller voir le Sphinx. Et surtout, demander des explications pourquoi c'est là. À qui ça appartient dans ce monde-ci? Parce que, enfin non, à qui ça appartient? Ça appartient sûrement à personne, puisque c'était de la ville morte. Il n'y a plus personne de la ville morte. Pas sûr. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Le Salut. Sphinx a demandé à vous rendre. Ah. Pourquoi cet endroit dans les ruines est si important pour vous? La vieille maison renferme une puissante force énergétique qui attire les Metalheads. Sans blague, on a connu le type qui vivait là. C'est vous, les nouvelles recrues qui n'arrêtez pas de vous fourrer dans le pétrin? Non, pas lui. Quoi? Bienvenue dans l'humble mouvement des souterrains. Je suis le Sphinx, mais vous pouvez m'appeler Samus. Et vous êtes? Non, Jack. On a traversé tout ça pour retomber sur sa sainteté de papy vert avec son rondin sur la tête. Vous ne nous reconnaissez pas? Désolé, petit. Je vous ai jamais vu et je n'oublie jamais un visage, surtout quand il est aussi laid. Et ça commence. Comment est-ce possible? On a franchi la faille ensemble vers le futur, pas vrai? Et vous étiez beaucoup plus vieux et plus moche qu'une vieille souche pourrie. Comment ça se fait? Vous vous êtes fait lifter le portrait après notre départ? Écoutez les gars, je sais pas quel genre d'herbe vous avez mâchonné, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Nous avons un baron à renverser, un jeune héritier à protéger, une invasion de Metalheads à repousser et une ville à sauver. Bref, on est débordé et puis je n'ai jamais franchi aucune faille. Je déteste les téléportations. On dirait ce vieux Samos. Pour l'instant, je voudrais que vous alliez dans l'abri forêt pour y dénicher quelques Metalheads. Cette forêt est ma source d'énergie, mais je ne peux plus la protéger. Poursuivez et éliminez tous les Metalheads éclaireurs que vous y trouverez. Bonne chance. Et surtout, bonne chance. Bonne chance. J'adore cette phrase. Chaque fois, des fois, je la sors, ça rend même en vrai, je fais. Et surtout, bonne chance. On va dire bonne chance, il fait bonne chance. Parce qu'on va tuer 10 Metalheads, mais surtout, what? Samos est ici, mais il se rappelle plus de nous. C'est quoi ce délire? Pourtant, on a transporté le téléporteur. Oui, il aime pas le téléporteur, mais comme le vrai Samos. Et c'est le vrai Samos, c'est pas possible. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Pourquoi il se rappelle le Sphinx en plus. Enfin, son petit pseudonyme, il aime bien s'appeler comme ça dans les soirées. Yeah, Samos! Non, non, c'est le Sphinx. Tu vois. La classe, tu vois. Égyptien, enfin, c'est moi ça. On dit que tu avais besoin d'aide. Ouais, ouais. Tu ne pourras pas attraper ces Metalheads dans la forêt. Alors j'ai laissé mon jetboard au niveau du sas à la sortie de la ville. Puisque tu aides les souterrains, j'accepte même que tu le gardes. Yeah, enfin, je l'attendais ce moment. On va avoir le magnifique jetboard pour tout le temps. On pourra. Tellement ça fait plaisir, je fonce dans les gardes. Et rien, maintenant plus. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre de tout. Plus rien à foutre. Maintenant, ils vont tous crever. Salut, salut, salut. Dégage. Ils vont tous crever. Maintenant, j'ai le jetboard. Je suis trop content. Ah, enfin, ça fait plaisir de pouvoir l'avoir. Là, on va dans la montagne. On va buter du métalliste. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que grâce à ça, maintenant, on peut avoir le jetboard en illimité. Et ça, ça fait tellement plaisir, ça. Depuis le temps que je le voulais. Oui, parce que le jetboard n'était pas là dans ma miniature. Parce qu'on allait l'avoir qu'une mission. Oh non. Ça aurait été trop malheureux qu'on l'ait qu'une mission. On va l'avoir tout le temps. Et ça fait grave plaisir. Vous allez me voir quasi tout le temps avec, en fait. Je vais quasi être jamais en véhicule. C'est quand même pour des longues distances parce que... On va dire quand même que c'est... Eh, il m'attaque plus, il s'en fout. Bon, attendez, un peu de pression alors. Hein. Un petit coup de pression quand même parce que là, il faut quand même pas me laisser tranquille. Je veux que vous me laissiez pas tranquille. Allez, salut les petits, allez, grand garde, on fonce, on essaie de me poursuivre. On essaye, mais ça sert à rien. T'es mort? Il est mort en plus. Oh, pauvre chou, il est mort. Petite nature, t'étais trop faible face au pouce au monde si t'en es mort. Comme vous. Vous êtes
tellement ridicule, insignifiant, dégueu, ouais, dégueu, stupide, ouais, ouais, c'est aussi. Elle dégage plus de véhicule, plus hein. Mais ça, ça fait plaisir. Waouh, le jetboard est à nous. Trop de la balle. Oh, yeah. Allez, on va le ranger quand même, parce qu'il est un peu trop grand. Et tac. Nickel. Oh, yeah. Voilà. Et je sors plus. Non. Attention, vous quittez la ville. Ah ouais, je sors plus de mon jetboard. J'y sors plus. À part pour faire ça, quand même. J'ai pas envie de mourir débilement. Faut pas abuser, quand même. Ça serait un peu... un petit peu bête, quoi. Allez, on y va. Touk, 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 touk. Et on est parti. On est obligé pour là aussi. Et là, on est bloqué. Donc, on peut se taper la causette avec Jack. Tranquille, Jack Daxter. Ça va, bien, bien. Qu'est-ce que ça fait de revoir Samos qui... nous a complètement oublié, on va dire. Il nous a complètement zappé de sa vie. Il était là, oh non, je m'en fous de vous. Vous êtes qui? Vas-y, c'est tais-toi, je fais ma vie maintenant. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Avec l'auteur rongeur, j'ai plus besoin de vous. Maintenant, je suis la star d'ici, je suis le sphinx, j'ai déjà dit. Dans les soirées mondaines, ils sont là, vas-y, coupe de champagne et tout. Et lui, c'est le VIP chez le hip-hop. Il a des coups et tout. Le principe, c'est juste leur sauter dessus. Avec la vitesse qu'il faut bien accélérer. C'est pour ça que vous me voyez faire des figures quand vous avez... ça, vous l'avez vu déjà de façon avant, ça, que... les figures, ça aide à accélérer notre vitesse. Voilà. Et il faut remonter sa vitesse parce que sinon, on sait pas qu'on est dans la mer. Les sauts aussi, des fois, ça aide. Et c'est surtout les figures qui aident. Allez, voilà, nickel. Et un petit saut pour te sauter dessus. Et deux, hein. Et la petite glissade sur toi. La petite glissade qui fait plaisir sur toi. Allez, plus que 4. Plus que 4, plus que 4. Où est-ce qu'il est le suivant? Il doit être sur mon part là, le suivant. Mais le principe, ça va être ça, essayer de le choper avec le jetboard. Je trouve cette mission assez stylée quand même. Ah oui, on n'a pas encore été dans cette zone, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va s'occuper d'abord de tous les teasers précurseurs. J'espère pas en oublier parce qu'il y en a quand même pas mal ici. 50. Plus que 5, les gars. Plus que 5, on aura le premier album. Ça, ça fait plaisir. Ah, j'en ai vu un. Celui-là, on va pas les louper parce que. Il y a aussi celle dans. Justement, dans la ville morte. Il y en a pas mal aussi dans la ville morte. On aura forcément les 55 grâce à ça. Mais ici, déjà, vous voyez le nombre qu'on en a. J'espère pas en oublier. J'espère pas en oublier. J'ai peur d'en oublier. Hein. Je sais qu'il y en a quand même pas mal. On va faire une dernière fois le tour. Voir s'il y en a pas. Parce que j'ai peur d'en oublier. Il faut surtout pas ici. Non, ça a l'air d'être bon. J'espère de toute façon. De toute façon, c'est pas la première, c'est la première, mais c'est pas la dernière fois qu'on y va. Donc, on devrait savoir y retourner et en retrouver. T'as plus qu'un, les gars. Plus qu'un, et on a le premier album. Ça fait trop plaisir. On va s'occuper de lui. Il est là, il est chaud, il est prêt. Il est prêt à mourir. Il est prêt, mon petit gars. Un petit ride. Ride. Et. On va te choper, mon gars. On va te choper, on va te choper. Allez, on va te choper, ça fait plaisir. Allez, allez. Viens par ici. Mon mignon. Ride. Mon mignon, viens. Voilà, comme ça, en plein vol. Oula, oula. On saute ici. Bon, maintenant, pour y retourner, ça va être la merde. Allez, petit saut. Petit saut. Et on l'a attrapé directement. J'ai peur qu'on l'a pas attrapé directement. Ah, on a perdu une gemme crânienne. Ça me ferait du mal d'en perdre une. Que c'est souvent pour une qu'on l'a pas directement comme la dernière fois. Ah, pour une, enfin une en moins, ou alors au lag, j'en suis pas sûr. J'espère 40. J'ai pas regardé combien j'étais. question. Je le découvrirai bien quand je regarderai la vidéo. Je le verrai bien, mais j'espère qu'on l'a eu. Franchement, j'espère que ça a compté parce que sinon, c'est la merde. Bon allez, on va le choper lui, il vient par ici. Il vient par ici, mais non, t'en vois pas, ça sert à rien. De toute façon, tes deux potes ici se sont fait choper, donc tu crois que... J'adore la façon qu'ils courent quand même, avec leurs ailes. J'adore. On les voit courir et qu'ils veulent prendre leur envol, c'est tellement stylé. Comme je disais, de toute façon, je les verrai bien si je l'ai eu ou pas. Allez, on va le choper lui. On va la voir. On l'a eu. Et hop, glissade.
Allez, plus que deux. Si j'ai pas de bêtises. Il en reste un. Non. Pas la mission, la carte. La carte, s'il te plaît, la bréfolée. Voilà, je me disais, ils sont là-haut, en fait. Je me disais, ben, j'aurais même pas dû regarder la carte, c'était... Oui, parce que subtilité de cette zone, c'est qu'il y a, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de carte ici, vraiment. Ah bah voilà, on a notre 55e. Ça, c'est bon. Et maintenant, donc, on a le premier album. De toute façon, il va nous dire, nouveau élément débloqué. Normalement, il va nous dire. Alors, c'est que dans le 3, ça, qu'il nous le dit. Ah ouais, je pense que ça se peut que c'est que dans le 3. Parce qu'on peut aller voir dans le secret. Et comme vous pouvez voir, album débrouillé. Maintenant, pour le prochain, ça va être dur. L'acte 1, les scènes, acte 1 et tout ça, en fait, c'est pour pouvoir rejouer l'histoire à tel moment du jeu, en fait. Et c'est pas mal intéressant, ça, pour... Quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'étais jeune, je fais comme si j'étais vieux maintenant. Alors, quand j'étais jeune, tu savais, mon ami, je faisais ça. Non, plus sérieusement, avant, quand je jouais durant la version PS2, je me rappelle, c'est qu'il y a un certain moment que vous allez kiffer comme moi, je pense. Et ce moment, quand on a les scènes qu'on peut rejouer, c'est tellement stylé. Parce que en fait, l'effet s'annule. Je vais pas dire parce que ça, sinon ça spoil en gros. Mais ça va faire tellement stylé. Je vais rien dire plus parce que je serai sans le faire exprès capable de spoiler. Et je veux surtout pas ça. Ah ouais, c'est vrai, il monte sur les rochers lui. C'est ça, c'est problématique. Il a fait oh, demi-tour mon gars. J'avais pas prévu ça qu'il est passé par là. Mon gars, viens. Voilà, nickel. Oh, pourquoi tu descends par là? Ah non! Ah si, aussi, en fait. Tu repasses par là, donc. Mais tu me fais vraiment tourner en bourrique, en fait, mon type. Vas-y, arrête de me faire tourner en bourrique, j'aime pas faire ça. J'aime pas tourner en bourrique! Tu vas me faire tourner en saut! Ok, on va passer par là aussi. Faire la même chose que toi. Voilà, pour avoir un peu de vitesse. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, on a eu de la vitesse maintenant. Oh, le chapeau. Allez, on y est presque. Allez. Non, on a perdu toute notre avance à cause de ça. À cause de ça, on a perdu notre avance. Tiens, à choper. Non. Ah, il faut remonter. Ah non, elle est là. Nickel, 42. Ah bah, c'est bon, ça. Bon, où est-ce qu'il est, l'autre? Il est là, il s'amuse, il fait mumus. Lui fait mumus. Ouais, tu peux t'amuser à faire tout ce que tu veux, mais... Moi, je vais te choper, mon gars. Vas-y, passe. Passe par ici. Voilà. Ah, presque. Presque en plus. On l'avait... Bon, tu vas arrêter de slalomer, mon gars. Maintenant, tu vas te calmer tout de suite. Tu vas venir ici, parce que là, ça dure depuis je sais pas combien de temps que je suis dessus. Donc, tu viens ici, mon gars. Tu viens ici, je te dis. Tu viens ici, tu te laisses faire. Ouah, demi-tour, enfoiré. C'est demi-tour. Genre, j'ai pas eu l'accélération. Voilà. Il voulait pas nous donner l'accélération, je ne sais pour quelle raison. Elle est là. Là, dans le tournoi. Ah. Je te hais, mon gars. Je te hais. Vas-y, viens. Viens pas ici. En plus, je le sais, le parcours, en plus. C'est ça, le pire. Je sais le parcours, mais... Il arrive encore à me pâter, il est là, par là. Je vais peut-être changer de direction. Mais non, il change jamais de direction. Allez, non, j'ai pas envie de faire... J'ai pas envie de tenter le risque. C'est moi où je me suis fait avoir deux fois par la même technique. Là, c'est bon. Deux fois, je me suis fait avoir. Excellent, les gars. Revenez à la cachette. J'ai une autre mission pour vous. Ok, mon petit sphinx. Maintenant, c'est la mission du sphinx, il est là. Il se dit, maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Torn, il a boucle, il n'y a rien. Il se tait. Et la Torn, il est là. C'est le sphinx, VIP. C'est lui qui décide, vas-y. Vas-y, frère, vas-y. Il est là, vas-y, vieux. Ok, si tu veux. Si ça te fait plaisir, fais tout ce que tu veux. Ah, chouette, on se casse. D'ici. On se casse. Et donc on va retourner voir le sphinx. Sauf s'il y a le petit croc qui veut nous donner une mission. Là, sans...
Pas de soucis que j'ai accepté de prendre sa quête. What? Pourquoi tu veux pas que je monte sur le jetboard? Eh, t'es sérieux? Ok, il veut pas que je... Non, la forêt s'est débuggée! J'ai appuyé, vous... Je sais pas si vous m'avez entendu marteler. Mais j'ai appuyé pour monter sur le jetboard et quand j'ai voulu monter, il a plus voulu. Là, je veux. Là, je veux plus. Là, je veux. Là, je veux plus. D'accord. C'était bizarre quand même. Et je pouvais pas aller dans le téléporteur, ça, je comprenais pas. Non, 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 ça. Oh, ça. Ça, je vais réserver un épisode pour ça. Un épisode, je vais réserver pour ça. Voyez la tête bizarre rouge. Qui fait très penser à. L'ennemi de Captain America, si je dis pas de bêtises. Non, qui fait penser justement à Crâne Rouge. Non, c'est Captain America ou. Parce que je sais que aussi dans un épisode de. J'ai rien à voir, je sais. Dans un épisode de. Ah, on va l'écouter. Elle m'a dit que t'étais un pro du jetboard. Selon mes sources, une cargaison de systèmes d'écoute Grenagard vient d'arriver au port. Personne, y compris les souterrains, ne veut de ces trucs-là. C'est pas bon pour les affaires. Saute dans un jetboard, rentre-toi au port et détruis toutes les caisses Grenagard. La zone est certainement surveillée. Alors, fais attention. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Ben non, parce que... Il faut un certain personnage pour ça. Non, 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 je me suis fiché. Mais ce que je voulais dire, c'est... Ça me fait penser à... Pour ceux qui connaissent et qui sont nostalgiques de ça. Dans Spider-Man, à un moment, il est avec justement... Avec... Une référence, et là... Il y avait justement avec Captain America, il doit affronter quelqu'un. Et il y avait justement un type avec... Et c'est justement, je pense que c'est Crâne Rouge qui s'appelle le type. Enfin, soit on va arrêter de parler d'autre chose. Et on va être là pour détruire ces petits trucs. En moins de 2 minutes, ça va être... assez chaud, ça va être trop chaud franchement. Et je pense qu'une mission ainsi ça va être trop explosif hein, franchement. Bon, la sortie c'est par là pour moi. 13 en 1 minute 45. Ouais, j'y crois pas trop, merde. Je pense que je m'y suis mal pris pour le début, j'aurais pas dû... Il y a un parcours à faire pour avoir plus facile et on va dire que j'ai été à l'arrache. J'ai pas fait le parcours en plus si j'en loupe. Merde. Aïe. Aïe. Non, là. Là, je peux vous dire que c'est mort. Là, c'est foutu, c'est over en 1 minute 20 vers 10. Non, j'arrive. J'y arriverai pas. En plus, là, je dois nager et tout. Oh non. Ça va être galère. Et parce qu'on passe pas avec le jetboard en fait. Parce qu'il faut faire ça. Voilà. Et avec le jetboard, c'est vraiment pas possible en fait. Allez, on va essayer, mais 8 ans. Pouah, non, j'y crois pas. J'y... Merde. Aïe. On est mort de toute façon. Donc, on va le refaire. Tranquille. On va bien se poser. On va être là. On peut le faire quand jetboard. Comme il l'a dit, monte sur le jetboard. Justement, le jetboard n'est pas utile que pour une mission, on va dire. Elle va pas être utile pour beaucoup de missions, mais quand même pour pas mal. Quand même pour pas mal, donc tant mieux qu'on l'a. Et justement, direct, on l'a, crew. Vas-y, il y a un truc à faire. Ouais, comme par hasard, il y a un truc à faire dès que j'ai le jetboard. Si ça, c'est pas stylé. Voilà. Normalement, cette fois-ci, je m'y prends mieux. Bon, je vais faire gaffe de quand même pas mourir, évidemment. Donc, on va bien passer entre eux. On prend bien son temps pour ça. On repasse par là, nickel. On se met un petit coup de boost. On sent rien. Y'a bon, on sent rien. En plus, tout se détruit. C'est bon, ça. Si tout se détruit, ça fait plaisir. On va s'occuper de tout ce qui a su cette partie du rivage. Comme ça, après, on peut traverser ici. Voilà. Aïe. On s'est aussi passé par là, ouais, mais... Je sais pas. J'étais pas tenté. Je préfère le faire ainsi. Nickel, tu passes. Allez, plus que 9. Allez, plus qu'un ici, à l'extrémité ici. Et ce sera bon, voilà. On se dépêche. Voilà. Merde, j'ai pas su faire... voilà. J'ai pas su accélérer ma vitesse parce que j'ai tourné. Ça aussi, on peut pas vraiment accélérer sa vitesse si on est en train de tourner. Aïe. On devra repasser pour celui-là. Ah, on perd du temps. Plus que 3.
plus de 3 ou 45 secondes. Ouais, ça va, on est large là. Comparé à la dernière fois là, on est large. Ah oui, au fait, truc débile de ce truc, c'est quand on est poursuivi. Mis à part qu'on est dans l'eau et qu'ils vont pas dans l'eau. Donc vous me direz la difficulté qu'il y a. Bien joué, Jack. Je suis même impressionné. Voilà qui devrait tenir ces grenades sans scrupules à l'écart. Où va-t-on si on ne peut même plus s'acheter un garde de temps en temps? Si tu le dis, mon petit croc, on va aller justement te voir pour voir ce que t'as à nous dire. Non, 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 on va aller justement à la quête. On ira faire ça la prochaine fois. On va justement voir la quête que je vous disais avec le crâne rouge. Que justement... Ah non, en fait, je me suis totalement trompé parce qu'il y a une mission. Une mission. Je sais pas combien de temps elle va me prendre, c'est pour ça que je réserve. Dès le début de l'épisode, cette quête-là, je la ferai parce que j'ai pas de dire longtemps. Mais c'est encore loin d'y être. Parce qu'il faudra un certain personnage, que je vous dis pas le nom, que vous découvrirez. Et vous allez dire, what? Vous êtes sérieux là? Et ouais, on sera sérieux. Donc on va s'occuper de cette petite quête. Ça n'a rien à voir en fait avec ce que je pensais donc. Ça passe! Vous allez pouvoir voir, c'est quoi? J'ai jamais compris eux. Cette icône, on va le voir qu'une fois. Mais voilà quoi. C'est un peu spécial. Une quête unique, on va dire. Ouais, c'est vraiment une quête unique. Donc on y va, on est obligé d'aller au ralenti, ralenti. Salut, salut, salut. Avec eux qui disent rien. Tirez-vous d'ici, ça concerne que les grenagardes. Un camion citerne d'Echo de Vine revient d'interpeller. Mais la fin du message m'a semblé louche. Et puis le chauffeur avait peur. Mieux vaut vérifier ça, on ne sait jamais. On peut être utile. Je m'en charge. T'es sûr de ça? Les métalettes s'attaquent! Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Aidez-moi à buter tous ces métalettes! Je pensais que t'avais pas besoin d'aide. Salut! Salut, salut, salut! En fait, salut, 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 salut! On va gaspiller toutes nos balles, c'est pas grave. Salut, 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 salut! Moi, tu me donnes des gemmes crâniennes. Allez, un petit peu de gemmes crâniennes. Il m'en faut 200, les gars. 200, vous savez me donner ça, vous êtes au moins 200, j'espère. Parce que là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de 200. Non, vous m'en donnez pas beaucoup là, ça craint. Vous me donnez que ça. Attends. J'ai besoin d'aide. Je me prie pas. Ah, ça va, calme-toi. Oh, vous m'en donnez pas plus, les gars, vous êtes sérieux. C'est tellement triste. Ouh, ma vie. Non, c'est pas une invasion, arrête, il y avait quasi rien. On les a tous eus. Les Metal Heads prennent de plus en plus de risques. On dirait presque qu'ils nous attaquent que pour tester nos défenses. Tout ça sent très mauvais. Ouais, y a pas de quoi. Ma petite Ashlyn. Merci. Non mais franchement, je te remercie, non, pour ta compassion. C'est plus un, non, franchement. J'aime ça. Et ça y est, maintenant les Metal Heads, ils en ont marre. Ils en ont marre, ils commencent à arriver dans la ville. Ils commencent à attaquer la ville, et ça, c'est pas beau pour Baron. Il va devoir réagir par rapport à ça. Normalement, ils peuvent pas attaquer la ville. Tant que ils payent, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a plus envie de payer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaye d'en tuer. Moi, je me trompe de côté. Littéralement, parce que j'ai pas envie d'aller voir Anton. Cette fois-ci, j'ai envie d'aller voir Crew. De toute façon, je pense qu'on va juste voir ce que Crew a à nous dire. Et je pense qu'on va pouvoir... Enfin, on va pouvoir se quitter là après, dès qu'on sera ce qu'il nous demandera, et qu'on sera la prochaine fois, il y aura le prochain épisode. Donc, on est parti pour aller voir ce cher petit crew. Mais quand même, les métalettes qui viennent en ville, ça craint un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait, Baron? Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Tu les payes plus? Il faut payer la mafia, tu sais bien, la mafia. Metalhead, ça commence par M, mafia, c'est la même chose. Hé, comme moi, quoi! Ils vont me payer aussi alors, mon petit baron. Paye-moi. Mafia. Alors, allons voir le petit... le petit crew. Enfin, le petit crew. Le gros crew. Sans insulte, hein. Voilà. Mais avant, on va s'occuper d'un truc. L'allée qu'on a fait. Comment tu pilotes? Relève un autre défi de l'anneau, qu'on se fasse une idée. Ok, un petit défi de l'anneau. Avec le même véhicule qu'il nous donnait, on est parti. Ça devrait le faire facile. Comme ça nous rapporte un peu d'or en même temps. Et au moins, on pourra avoir peut-être le deuxième album.
Genre Dima, je le sens pour avoir tous les albums. Je les veux et franchement, je veux vous les montrer comme je vous dis. Je les aurai coûte que coûte. Il n'y a pas de raison que je les ai pas, franchement. Il n'y a pas de raison. Dans tous les cas, je l'aurai. J'espère que je les aurai. Non, l'enfoiré. Est-ce que j'aurai le temps de faire ce que je vais faire? J'ai eu le temps. J'ai eu le temps de changer de véhicule. Si ça, c'est pas stylé. En pleine course, on change de véhicule. Et ouais, on est obligé ici. Le jetboard qui peut être aussi très utile ici. Qui est forcément même utile. Faut attention au faire aux gardes, ça, il faut faire très attention. Bon, en même temps, on a quitté toute la zone qu'on devait aller. Ouais. On devra se retaper tout le chemin. Oh! Tout le chemin qu'on devra se retaper. Non! Non! Quelle horreur! On y retourne, mais. Quelle horreur! Ah, mais quelle horreur! Fais attention à lui. Voilà. Je voudrais pas quand même le toucher, le pauvre. Le pauvre, je voudrais quand même pas le toucher. Let's go! Pas toucher à Grenagarde. Pas toucher à Grenagarde, les gars. J'aime bien, c'est que les Grenagarde, quand même. Ils nous recherchent après eux. Enfin, vous me direz quand on passe devant Edisraël, mais voilà quoi. Non, Praxis, il aurait dû mettre une affiche avec lui. Dès que vous le trouvez, vous le tuez. Non, là, on est juste à côté de lui. Ça va, la famille. Même, je roule en sens qu'il faut pas, mais il s'en fout. Mais... Ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, sinon, ça aurait été chaud parce qu'il serait toujours à notre cul. Sauf s'ils auraient mis moins de cas, mais ça aurait été moins intéressant. Dans un sens. Donc, non, en fait, le système qu'ils ont mis, c'est. Bon, c'est pas le meilleur, mais il est à peu près bon. Donc, cette fois-ci, on se chie plus. On réussit. Et même pas à comprendre, on réussit. T'es qu'un enfoiré! Et je réessaye une dernière fois. Dernière fois. On va réessayer une dernière fois. Ah, pourtant, d'habitude, je le réussis, les trucs ainsi. Vous l'avez bien vu que je l'ai réussi, c'est facile ces trucs-là. Les trucs qu'il faut retrouver au point exact, non, parce que je me rappelle pas de tous où ce qu'ils sont, mais les trucs assis, ouais, il faut pas déconner. Ils sont pas si durs, quoi. Ils sont pas si durs à faire. C'est pas non plus le truc le plus hard du monde. Donc on va y aller cette fois-ci tranquillement. tranquillement. Non, tranquillement, il y a doucement, mais aussi rapidement. Et bon, tranquille la famille. Il y a moyen. On y va tranquille, on s'occupe pas des gardes. Même, si on s'occupe des gardes, mais pour les esquiver. Ici, tu me fais pas faux bon, voilà. Tu rentres bien dans l'anneau, tu pénètres l'anneau, tu examines l'anneau, tu sautes dans l'anneau, voilà. Allez, on y est. On y est. Tu remontes. T'as, il faudra reprendre ta véhicule, je pense. Ici, Alpha, on est en route. C'est vrai, il faut reprendre ta véhicule. Oui, c'est hard, c'est... Hard! Ah, j'abandonne. On fera ça une autre fois. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. On va aller voir Croc comme j'avais prévu à la base. Quelle horreur. Ah, je ferai ça la prochaine fois. On fera ça même dès le début de l'épisode. Comme ça, si je me suis au fait, je peux recommencer l'épisode. En fait. Je vous l'avoue, oui. Au moins, je suis honnête. Mais on fera pas ça durant le prochain, durant un autre. Parce que après ceci, je vais devoir enchaîner. Pour que vous sachiez avoir les deux épisodes. Sinon, je serai pas. Alors, donc, je serai pas prendre votre tour. J'avais oublié aussi de vous préciser ça. C'est qu'ici, je vais enchaîner les deux épisodes. Donc, je serai pas. Prendre vos tours. Et donc on va aller voir Crow, voir ce qu'il a à nous dire. Et puis pouvoir se laisser là. Hein, mon petit Crow. Mon petit Crow. Te caches-tu à part dans ta tanière? Ou alors dans ton truc qui te sert de véhicule. Et même de trucs pour savoir te déplacer. En gros, marcher. Enfin, voler. Enfin. Allez, ça. Wow, si tu veux. Ça te fait plaisir. Crou. Merde, t'es cornéac. Le baron a encore envoyé ses hommes pour me menacer. Infraction à l'hygiène. Arriéré d'impôts. Tout le monde veut me dépecer. Voilà.
Heureusement, vous avez du rab en masse. La destruction de ce chargement dans le port. Il parlait de sa graduation. C'est important que vous ne le croyez. J'ai un nouveau projet en cours, alors pas besoin qu'on vienne fourrer son nez dans mes cargaisons. Pour résumer, si tout se déroule comme prévu, je vais avoir le monopole du marché des trophées Metalheads. Bref, j'ai une autre mission pour vous. Brouter, un associé, travaille avec moi sur le marché du travail forcé. Marché de l'esclavage, quoi. Je préfère privé de liberté. Les Lorkers sont les pauvres de la ville. Brouter me paie généreusement pour l'aider à faire sortir ses congénères de la ville. Ah, j'élève mon esprit en aidant les nécessiteux. Et j'ai besoin de son argent. Les Lurkers, on les aime pas trop. Mais vous aimez les upgrades d'armes, hein? 3 véhicules Grenagard emmènent actuellement des Lurkers vers un projet du baron, à l'extérieur de la ville. Détruisez les véhicules et amenez les 3 Lurkers au stand de babiole de Brouter au bazar. Sauver des Lurkers. Ils sont sérieux. Mais au moins, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a les munitions améliorées. Mais, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là, on va se laisser ici, avec Daxter qui fait sa belle tête. J'espère que cet épisode vous aura plu. Durant le prochain, on ira sauver des Lurkers. Mais c'est nos ennemis à la base. Enfin, soit, c'est bizarre. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, poser votre avis, et de laisser le petit j'aime pour faire connaître ce l'esprit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!